Après, je vais encore recevoir des commentaires en disant ah, Jojo, tu te plains et tout. Voilà. Bonjour à tous, mes chers amis. Je vous fais cette rapide vidéo qui va être, comme vous l'aurez compris avec le titre de celle-ci, un coup de gueule. Pourquoi? Parce que je viens de lire un commentaire au moment où j'enregistre la vidéo. Hein, il est le 25 mars et il est 10h30. J'ai lu un commentaire qui m'a particulièrement agacé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et là, j'essaye vraiment de me contenir. Mais croyez-moi qu'il vaudrait mieux en fait que je n'ai pas la personne en face de moi parce que je pense qu'elle se prendrait un vomi de tout ce que j'ai sur le cœur parce que c'est typiquement le genre de commentaire que j'attends au tournant. Heureusement, il n'y a eu que celui-ci et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que je vais être extrêmement virulent avec ce type de commentaires. Je préfère être très clair d'entrée de jeu. Comme vous le savez, donc Angel vient d'être opéré. Ça m'a coûté un certain nombre de frais. Pour être exact, je viens de dépenser au total plus de 870 euros. Oui, vous n'avez pas rêvé. J'ai bien dit plus de 870 euros et je peux vous montrer toutes les factures de la clinique sans aucun problème puisqu'il y a eu l'opération, il y a eu les traitements, il y a eu toutes les analyses en laboratoire qui, elles, n'étaient pas comprises dans le devis de l'opération puisque forcément ça a été rajouté. Ensuite, il va y avoir d'autres visites de contrôle, il y aura aussi d'autres rendez-vous puisque je vous l'avais expliqué qu'Angèle en plus elle avait des petits calculs au niveau de ses reins, donc c'est pas encore terminé pour Angèle puisque je vais avoir encore d'autres consultations, il va falloir encore que je paye pour des radios, des analyses, etc. etc. Donc voilà. Pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi surtout je vous raconte ça? Parce qu'en fait j'ai reçu un commentaire de la part d'une femme qui visiblement n'était pas abonnée à ma chaîne et qui n'a jamais mis de commentaire sur ma chaîne, donc je suspecte que ce soit un troll en plus de ça. Mais si des fois il y en avait certains qui se posaient la question, je préfère être clair et c'est pour ça que je fais la vidéo pour vous expliquer en détail. Vous le savez, j'ai toujours joué la transparence et ça continuera et il n'y aura absolument rien qui changera là-dessus. Je pense que maintenant vous me connaissez pour les anciens, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça va faire 3 ans que j'ai créé l'œil dans le noir, soit d'abord sur Facebook et ensuite sur YouTube. Et vous savez aussi que j'ai tout donné pour ma chaîne et je pense que c'est vraiment peu de le dire parce que je vous garantis que si vous pouviez voir, vous pourriez demander, que ce soit à ma mère, à mes amis, à Cédric, toutes les personnes qui m'entourent, je vous garantis que quand je vous dis que j'ai tout donné pour ma chaîne, c'est que vraiment j'ai tout donné pour ma chaîne. Excusez-moi, c'est justement, vous voyez, c'est le réveil d'Angèle pour que je puisse lui donner ses cachets. Vous voyez? Donc bah, ça tombe bien que le réveil sonne à ce moment-là. Au moins, ça vous montre que ma mimine, j'en prends soin. Hein, et que c'est bien réel. Bon, bref, attendez, j'essaye de rassembler mes idées parce que ça commence à devenir confus. Et quand je suis énervé, j'ai encore plus de mal à parler. Donc je vais essayer de me rassembler et de me calmer. Donc ce commentaire en gros disait que, de la part de cette personne, en gros disait que j'avais profité de la générosité des personnes, etc. Et qu'en gros, ben, j'étais aujourd'hui riche comme Crésus parce que elle m'avait fait comprendre que j'avais eu une somme astronomique, mais du genre à pouvoir me payer une Ferrari ou une maison cash, une connerie comme ça. Alors non, je tiens à le préciser, avec les dons, j'ai absolument pas de quoi me payer une Porsche ou une Ferrari ou une maison cash, qu'on soit bien d'accord. Hein, mais alors vraiment pas du tout. Hein. Donc ça déjà ça m'a gonflé. Ensuite, je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo parce que quelque part j'ai de comptes à rendre à personne, d'une part. Si ma communauté a été présente, à mon avis, je pense que c'est surtout de la jalousie qu'il y a derrière. Hein. Je sais pas vous, mais moi je le sens comme étant de la jalousie, comme ces gens qui bavent, qui se permettent de baver, qui se permettent de critiquer, qui se permettent de juger les personnes sans même les connaître. Hein. Ça j'adore aussi. J'adore ce type de personnes. Mais bon, comme on dit, on est très souvent sali par plus sale que soi. Et là, pour le coup, je pense que c'est le cas. Et ce qui me fait sourire, c'est que ce type de personnes, tôt ou tard, un jour, vont se retrouver également jugées par des personnes qui seront comme elles et qui vont subir le même type de traitement et elles verront à ce moment-là comme ça a été particulièrement injuste, humiliant et insultant d'être jugé alors que ça ne reflète absolument pas la réalité. Mais ça, je laisse le karma se charger de ce genre de personnes-là, je ne me fais pas de soucis, sachant que la vie m'a toujours vengé des personnes qui m'ont fait du mal, donc à ce niveau-là, je suis assez tranquille. Maintenant qu'on soit bien d'accord, les dons que j'ai reçus ont permis de payer tous les frais vétérinaires. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Il y a des choses que j'ai rajoutées de ma poche. Comme je l'ai dit, les examens pour le laboratoire, ce n'était pas prévu. Mais Angel, il n'est pas question que j'allais se crever. Alors, je suis désolé, j'emploie des termes qui sont très forts. Mais j'ai envie d'employer ces termes-là pour faire réaliser aux gens quand même certains trucs. Comme je vous l'ai dit, pour certains, ils comprendront jamais ma démarche parce que c'est un chat et je pourrais en trouver plein dans la rue. Je ne vais pas revenir là-dessus. Non, Angel, ce n'est pas qu'un chat, c'est ma fille. Tous ceux qui ont des animaux, qui aiment leurs animaux, le savent aussi que nos animaux sont comme nos enfants. Personnellement, en plus, j'arrive à 30
35 ans, bientôt 40, hein, dans 6 ans. Je n'ai pas d'enfant. Le seul enfant que j'ai, il est entre guillemets par l'intermédiaire de Cédric. J'ai pas eu d'enfant, donc moi, j'ai rien. En termes de famille, j'ai pas eu non plus la chance d'en avoir une. Hein, et Dieu sait pourtant, c'est pas faute d'avoir tout fait pour essayer de rassembler les morceaux que cette famille à casser au fur et à mesure des années. Bref, et du coup, mon Angel, elle représente tout. Angel, c'est ma fille, point. Donc, je ne vais pas réfléchir de savoir si je fais oui ou non un examen supplémentaire, savoir si oui ou non j'ai les sous ou pas, je le fais. Point. S'il faut que je vende quelque chose, je vous l'avais dit en plus dans ma vidéo que j'étais prêt à vendre mes jeux, que j'étais prêt à vendre plein de trucs que j'avais pour pouvoir couvrir les frais, pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà, ça, il faut bien comprendre que je m'en fous. Moi, s'il faut tout donner pour quelqu'un que j'aime, je le ferai sans hésiter. Si je devais sacrifier ma chaîne et tout ce que je possède pour sauver ma mère, pour sauver Cédric, je le ferais. Je ne me poserais même pas la question de savoir si je le fais. Et pour Angel, ça a été pareil. Je pense que si vous aviez votre gamin ou votre gamine qui est dans un lit d'hôpital et vous avez le docteur qui vous dit on va lui faire une analyse pour savoir si c'est cancéreux, mais ça va vous coûter 500 balles, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a fait pas? Bah, je pense que vous n'allez pas réfléchir pour savoir si vous le faites ou si vous le faites pas. Vous le ferez, point, c'est tout, parce que c'est votre enfant, parce que vous l'aimez, parce que ça paraît logique de le faire. Hein, je sais pas, voilà, bon. Et du coup, ce commentaire m'a particulièrement agacé dans le sens, alors oui, vous pourriez vous dire que ça m'a piqué, oui, parce que je trouve ça en fait injuste. Injuste dans le sens où ça fait 3 ans que je me donne pour la chaîne, où j'ai absolument tout consacré pour la chaîne. J'ai même donné ma propre santé pour la chaîne, puisque passé un temps, vous l'avez vu, je tournais des vidéos tous les jours, je passais des heures entières à faire mes vidéos, à côté, je gérais aussi les consultations. Vous savez déjà que de base, je suis insomniaque, que j'ai des gros problèmes avec le sommeil, donc déjà de base, je dors très mal. Vous connaissez aussi mes problèmes intestinaux, donc vous savez que j'ai une maladie qui évolue, hein, et qui va pas s'améliorer avec le temps et qui risque de s'empirer là aussi. Bref, je vais pas épiloguer, mais en gros, je vous fais comprendre qu'il y a de fortes chances pour que je développe ce que Angel a développé il y a quelques temps. Hein, voilà, on va appeler un chat pour le coup. Hein. Surtout que j'arrive justement à un âge où ça peut commencer à devenir sérieux, puisque c'est à partir de 40 ans, en hein, principe, que la santé, soit ça passe, soit ça bascule. Hein. Bah, moi, je suis plus là, je suis plus sur une bascule pour l'instant. Donc, ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle qu'il y ait des personnes comme ça qui se permettent de dire des choses pareilles. Vraiment, ça me gonfle, mais au plus haut point. Donc je vous disais que oui, j'ai voué ma santé aussi à la chaîne, puisque pour vous faire plaisir, moi en fait, ce qu'il faut comprendre, que le plus important, c'est de faire plaisir aux gens. Je donnerai jusqu'à mon slip pour les autres, vraiment. Vous pouvez demander ne serait-ce qu'à Abby. Abby, tout ce que je peux mettre en place pour l'aider, pour aider sa boutique, etc., je le fais, mais ça c'est Abby. Mais ça serait n'importe qui. Demain, vous viendriez me voir derrière ma porte en me disant « Jonathan, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'héberger une nuit? Est-ce que tu peux me donner un plat de pâtes parce que j'ai faim ?» Je le ferai, je ne réfléchirai pas, que je vous connaisse en vrai ou pas, c'est ma nature d'être comme ça. Moi, si je pouvais, je sauverais la planète, sauf que c'est clairement pas possible. Et puis, je vous cache pas que quand j'ai affaire à des personnes comme ça, qui me mettent des commentaires comme ça, il y a des fois, je réfléchis quand même 2 secondes avant de me dire, est-ce que tu sauverais tout le monde ou est-ce que tu ferais un tri? Et je pense que plus le temps passe et plus je vais opter pour l'option de faire un tri avant de sauver tout le monde. Bref, non, je dis ça, mais je me connais, je serais capable de sauver même une personne qui m'a craché dans la tronche, je serais capable de la sauver. Alors, pour vous dire à quel point... Je sais pas si c'est, dans mon cas, de la bonté ou carrément de la bêtise. À mon avis, je pense que dans mon cas, c'est de la bêtise. Mais bon, ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Maintenant, concernant les dons, j'ai envie de dire que j'ai de compte à rendre à personne, puisque, en fait, ça se passe entre ma communauté et moi. Ce qui m'a fait sourire, ça m'a fait rire, parce que dans ma vidéo, la vidéo que je vous ai faite sur Angel, c'était pas du tout pour vous prendre par les sentiments, mais alors absolument pas du tout. C'est que simplement, je venais de rentrer de la clinique, que je venais d'apprendre ça. Je vous cache pas que ça a été la goutte de trop, parce qu'il y avait déjà des trucs qui me pesaient sur le moral depuis quelques temps, dont je ne vous parle pas, parce que d'une part, ça ne vous regarde pas, d'autre part, YouTube, ma chaîne, Internet, n'est pas non plus un lieu sur lequel on va déverser, hein, c'est pas confession intime, très clairement, donc il y a des choses dont je n'ai pas envie de vous parler et qui ne vous regardent pas non plus. J'ai le droit d'avoir une vie privée aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne veux pas tout vous raconter.
Et Angel, en fait, ça a été la goutte de trop. Vraiment, ça a été la grosse goutte qui a fait déborder tout le vase. Donc oui, très concrètement, mes émotions, je n'arrivais pas à les canaliser quand je vous ai fait la vidéo. Mais pourquoi je vous ai fait la vidéo? Tout d'abord, il faut savoir que la vidéo, je l'avais faite déjà pour vous avertir que si vous ne me verriez pas de plusieurs jours, et je sais que certains sont très inquiets parce que certains, ça me touche beaucoup, m'envoient un mail, un SMS, un message, n'importe quoi, sur Instagram, sur Messenger, n'importe quoi. Dès qu'ils ne me voient pas, ne serait-ce que d'un seul jour, j'ai droit à un message pour me dire ça va Jojo, t'es où? Et voilà, j'ai des gens comme ça qui s'inquiètent et vraiment ça me touche. Ne changez pas hein, sur ça, donc on se met d'accord, ça me touche beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais fait la vidéo d'abord, pour donner des nouvelles, pour vous dire pourquoi est-ce que vous ne me verrez plus pendant quelques jours, pendant quelques temps, parce que je suis pas bien, parce que si, parce que ça. Après, cette personne, elle s'est permise en gros de dire que j'avais exigé de vous de mettre un tarif imposé, que en gros j'avais profité des personnes qui n'avaient pas de sous. Mais je suis mort de rire par rapport à ça, je suis mort de rire, parce que le seul tarif, entre guillemets, enfin le seul montant dont j'ai parlé dans ma vidéo, et j'en ai parlé vers la fin de la vidéo en plus, donc du coup pour ceux qui ont voulu donner, c'est des personnes qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, sachant que la vidéo fait quand même presque d'une heure, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lâché avant quand même, hein, bref. Et le seul montant dont j'ai parlé, j'ai évoqué 50 centimes. 50 centimes. D'où est-ce que je profite des gens qui sont pauvres? 50 centimes. Moi-même, je fais des dons à tire-larigot pour plein de choses. Quand une personne est dans la misère, je lui fais un don. Genre par exemple, j'ai une amie et abonnée qui elle aussi a eu des problèmes avec sa mimine. Je l'ai contactée en privé, même si je n'ai pas de sous, même si je venais donner beaucoup d'argent pour la clinique, je lui ai demandé si elle voulait que je lui fasse un petit don, même si c'était pas grand-chose, que je lui offre quelque chose. Vous voyez? Donc pour dire d'où est-ce que je profite mais faut arrêter. Mais comment vous pouvez vous dire ça? Comment ne serait-ce même vous pouvez le penser en fait? Surtout pour les personnes qui me connaissent. À la rigueur, les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent de se connecter sur la chaîne, qui voient cette vidéo un peu déprimée. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je vais l'enlever. Ça sera même encore plus simple. Je vais enlever cette vidéo parce que de toute façon, maintenant, c'est passé. Je l'ai dit que tout ça appartenait au passé, qu'on n'en parlerait plus. Donc, je vais supprimer ces vidéos. Comme ça sera même carrément plus simple. Mais voilà, à la rigueur, pour les personnes qui viennent de se connecter et qui voient cette vidéo, ils peuvent ne pas comprendre et se dire, bah dis donc, lui, il est gonflé. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, mêlez-vous de vos fesses. Si un YouTuber a envie de demander à sa communauté de l'aide, c'est son droit. C'est son droit. Si sa communauté lui donne de l'aide, eh ben tant mieux pour lui. Ça veut dire qu'il est aimé de sa communauté, ça veut dire qu'il est soutenu de sa communauté. Et il vous emmerde, tout simplement. Il n'a pas à se justifier, quel que soit le youtubeur. Ceux qui ont la chance d'avoir de grosses communautés qui sont là, qui sont présentes, qui partagent, etc. Eh ben tant mieux. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Arrêtez d'être rageux, arrêtez d'être jaloux, arrêtez. Mêlez-vous de vos fesses, tout simplement. Ça, vraiment, je vous jure, les amis, ça m'agace. Vraiment, ça m'agace. Dieu merci, vous n'êtes pas nombreux à être des brebis galeuses sur la chaîne. Dieu merci. Parce que je vous jure, des personnes comme ça. Ah mais il faudrait faire des allers-retours comme ça là, en revers, avec bien de l'élan pour bien leur mettre les idées en place, pour leur faire comprendre que oh c'est bon, occupe-toi de ta vie et arrête de t'occuper de celle des autres et arrête de venir baver sur celle des autres aussi. Parce que ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on se permette de juger qui que ce soit sans même le connaître et je ne supporte pas qu'on bave sur quelqu'un de façon gratuite et injustifiée. Ça c'est vraiment les deux trucs, je vous jure, ça je fais la chasse, mais régulièrement, pour tout le monde, même des personnes que je ne connais pas. Il y a des fois sur Facebook, j'ai pris des positions pour des personnes que je ne connaissais pas, qui se faisaient pourrir gratuitement, mais vraiment, je défendais ces personnes alors que je ne les connaissais pas. Je prenais ensuite moi derrière des insultes, etc. Mais je m'en fichais parce que moi, ce qui compte, c'est justement la justice et de pouvoir défendre les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Donc, d'où est-ce que j'abuse de la crédulité des gens, que je vais prendre par les sentiments, etc., etc. Mais j'ai envie de dire à cette personne de se regarder devant un miroir et d'oser affirmer ce qu'elle vient de dire. Ou mieux encore, qu'elle vienne me trouver en vrai et qu'elle ose me le dire en face. Parce que derrière un écran, c'est super facile d'écrire des trucs. Hein, quand on n'a pas de courage, quand on est lâche et qu'on se cache derrière un écran, qu'on n'est pas capable de trouver la personne et de lui dire, ok, tu vois, là, ça, j'ai pas apprécié, tu profites, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est beaucoup plus dur de le faire en vrai. Hein, vraiment beaucoup plus dur. Parce qu'on sait que derrière, il va y avoir de la répartie. Et pire encore, moi derrière, j'ai les preuves aussi qui peuvent attester de tout ce que j'ai donné. J'ai aussi les preuves de tout ce que je touche par mois. Et je peux aussi donner les preuves de tout ce que je dépense par mois. Et je vous garantis que quand je vous dis que YouTube ne me permet pas de payer mon loyer, enfin la partie de loyer à Cédric, parce qu'on paye le loyer à deux, si je vous dis que YouTube ne me permet pas de payer ma partie de loyer, je ne plaisante pas. Vraiment, je ne plaisante pas. Je peux même vous le montrer si vous voulez. Pour le mois de février, j'ai touché 120 euros. C'est tout ce que j'ai touché pour le mois de février. Oui, vous avez bien entendu. Pour toutes les vidéos que je fais, pour tout le contenu que je vous fais, pour tout ce que je fais,
je ne touche que 120 balles, c'est tout. Et en plus de ça, je viens d'apprendre récemment qu'il y a une nouvelle loi sur YouTube qui fait qu'on va me taxer, je vais devoir payer des impôts aux États-Unis pour toutes les vues que je vais faire aux États-Unis. C'est pas beau ça? Voilà, ça on adore, hein. Du coup, voilà. Si, vous avez bien entendu, désormais, je vais payer des impôts pour un pays qui, lui, ne me donne rien derrière. Voilà. Bon, comme vous l'avez compris, ça me fait pas rire, mais bon. Ensuite, on va parler un petit peu, parce que à la base, c'est parti de ça. C'est parti de la review du Light is Taro. J'avais laissé le commentaire exprès pour que la personne puisse assumer, mais visiblement, elle n'a pas le courage d'assumer. Elle a préféré retirer son commentaire. C'est dommage, parce que moi, de toute façon, j'ai fait des captures d'écran. Donc, si j'ai envie d'afficher, je pourrais afficher. Mais sachant que je ne suis pas une balance et que je connais aussi tout ce qui est l'égalité et les lois, je ne m'amuserai pas à le faire. Mais quoique le commentaire, je pourrais le masquer et le mettre en anonyme et balancer quand même, hein, histoire de que la personne puisse assumer ses dires jusqu'au au bout. De quoi elle a peur cette personne? Est-ce qu'elle a peur de se faire pourrir par ma communauté justement? Que ma communauté prenne la défense et qu'elle dise le reste? Est-ce que cette personne a peur de ça? Bah oui, c'est un peu le risque, oui. Effectivement, quand on se permet de pourrir quelqu'un gratuitement et de façon complètement injustifiée, il y a un fort potentiel, oui, pour que la communauté qui suit cette personne puisse prendre sa défense. Ouais, ça c'est le risque. Mais en même temps, quand on est courageux, bah soit on assume complètement ce qu'on a dit et ce qu'on a surtout écrit, soit on se tait tout simplement, hein. Je suis vraiment désolé, là vous me voyez dans un état d'agacement assez avancé et ça ne me ressemble pas, mais vous le savez, quand il y a un truc qui ne me convient pas, je préfère le dire tout de suite. Donc s'il y a plusieurs personnes dans ce cas-là qui sont dérangées aussi, partez. Partez de la chaîne, vraiment partez de la chaîne, la porte elle est grande ouverte, je ne vous retiens pas, vraiment, mais si c'est pour mettre des commentaires qui ne servent strictement à rien, qui sont aussi inutiles que, je sais pas moi, une rondelle d'ananas dans une crotte de chien, partez, vraiment partez. Si vous avez des choses à dire, déjà vous pouvez le dire en privé, d'une part, hein, je pense qu'envoyer un petit mail, ça coûte rien, vous pouvez très bien me dire ce que vous ressentez. Je suis aussi ouvert à ça, il n'y a pas de souci, mais pourquoi vouloir afficher quelque chose de public qui est en plus injustifié et gratuit? Ça quand même, hein, voilà. Autre chose, maintenant j'ai envie de dire que si la communauté, si tous ceux qui ont participé au don, peu importe le don, que ça a été 50 centimes, que ça a été 1 euro, 10 euros, 5 euros, 20 euros, j'ai envie de vous dire que ça ne vous regarde pas. Si les gens, ils ont donné, c'est qu'ils avaient envie de donner, et s'ils ont donné un montant, peu importe le montant, c'est qu'ils voulaient donner ce montant, point barre. Donc j'ai envie de dire que là encore, ça ne regarde absolument personne, hein. Et oui, donc je vous disais que c'est parti à la base de la review du Light is Taro. Alors là aussi ça m'a fait rire parce que la personne s'est permise de dire que j'avais acheté du coup des fournitures, entre autres des jeux. Alors non, il faut savoir que ce jeu m'a vraiment été offert par Arcana Sacra, comme d'ailleurs quelques-uns, comme je sais plus lequel c'était, il y avait les messagers d'Égypte. Voilà, j'en ai eu 2-3 qui m'ont été offerts. Non pas parce que c'est du travail gratuit, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des personnes qui jugent que le travail que je fais, c'est du travail de qualité et que visiblement il y a du retour derrière. Et ben j'en suis très content puisque moi je fais pas ça du tout pour au contraire pour avoir des faveurs, hein. Si je le fais, c'est parce que ça me fait plaisir avant tout, qu'on soit bien d'accord. Et si vous voulez tout connaître de l'origine de ce cadeau pour le Lightseer Starro, il faut savoir que Arcana Sacra est en train d'organiser un petit quelque chose et ils prennent 2-3 vidéos de plusieurs personnes et ils m'ont demandé simplement s'ils pouvaient prendre ma vidéo pour les messagers d'Égypte afin de faire de l'inclure dans leur petit montage. Donc, bah, bien sûr, moi je leur ai dit oui, ça me faisait très plaisir. Au contraire, j'étais même, comment on pourrait dire, honoré que Arcana Sacra me choisisse et que choisisse une de mes vidéos pour servir un peu de vitrine. Ça m'a vraiment beaucoup flatté et je m'attendais absolument à rien derrière puisque dès qu'on m'a contacté, j'ai dit oui tout de suite, j'avais signé les papiers, on a fait un contrat, papier, etc. Et moi, j'attendais strictement rien derrière et c'est tout simplement eux, pour me remercier en fait de ce que je faisais, qui m'ont proposé de choisir un jeu parmi leur gamme. Voilà, fin de l'histoire. Donc, en quel moment je me suis acheté des jeux? Est-ce qu'on peut m'expliquer, encore une fois, hein? Je prends par exemple les dernières fournitures que je me suis acheté. Si vous avez vu par exemple les publications sur Instagram, j'ai mis des pierres, etc. Il faut savoir qu'il y a eu mon anniversaire, hein, il y a le 19 mars, au cas où que certains l'aient oublié, et que j'ai des amis, et que j'ai des amis qui m'ont fait des cadeaux, d'accord, hein, comme par exemple ce magnifique peignoir, c'est Stella et Lilou qui me l'ont offert. Je prends cette baguette, et ben je tiens à le dire, mais c'est mon ami
je ne vais pas la citer, elle se citera elle-même si elle en a envie, mais c'est mon ami qui me l'a offert. La plupart des choses, je ne me les achète pas, vraiment, on me les offre. Je ne reçois pas des cadeaux non plus toutes les 2 minutes, faut pas déconner non plus. Mais quand vous voyez des choses, et puis j'ai envie de dire, j'ai pas à me justifier, merde, en même temps, oh c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, ce sont mes vidéos, je fais ce que je veux. En plus, ce qui m'agace, c'est vraiment ça qui m'agace, c'est que je donne tout pour ma chaîne, je consacre tout mon temps pour la chaîne, je voue absolument tout pour ma chaîne. Vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a dans cette pièce, je l'ai uniquement dépensé pour vous faire des vidéos, pour vous offrir, bah tiens, je prends les trucs de bien-être pour vous offrir des recettes de bien-être, des recettes de cosmétiques maison. La plupart des trucs, c'est pour vous, pour la chaîne, pour vous faire plaisir. Vous vous rendez compte que là, avec tout l'argent qui a été claqué dans ce cabinet depuis 3 ans, mais j'aurais pu, je sais pas, j'aurais pu m'acheter une voiture peut-être, on aurait pu déménager, on aurait pu voyager dans le monde entier, j'aurais pu m'acheter plein de fringues, refaire mon dressing, j'aurais pu faire plein de choses avec cet argent. Et ben non, bête et discipliné, le peu d'euros que j'ai, je dépense tout pour la chaîne. Donc à un moment, faut arrêter de dire que je profite des gens, enfin, attention, je dis pas que c'est général, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste cette personne-là, si elle regarde la vidéo, si elle a le cran de regarder cette vidéo, et s'il y en a un ou deux qui penseraient la même chose, franchement, venez à la maison, vous verrez déjà dans quelles conditions on vit à la maison, vous verrez qu'on ne vit absolument pas sur l'or, hein, que des pâtes, on en bouffe tous les jours, et très souvent, c'est accompagné juste d'une noisette de beurre et l'arôme de magie, vous voyez, pour faire genre de la sauce, pour donner du goût. De la viande, on n'en mange pas tous les jours. Je vois par exemple, Cédric, je vais pas tout vous expliquer, mais tous les deux, on est en grosse difficulté financière, tout le temps, tous les mois, on est dans le rouge, dans le noir, mais on s'en fout. On essaye de subsister, on essaye de se battre, on essaye de faire les choses, et très concrètement, eh ben, on emmerde les gens parce qu'ils ont, ils ont pas à nous juger. Moi, je me permets pas de juger les autres, jamais je me permettrai de faire ça, donc on n'a pas à le faire non plus. Voilà. Et enfin, sur quoi je vais terminer, je crois que j'en ai tout dit. Ah oui, elle m'a aussi mis en commentaire que ça faisait 3 ans que je me plaignais. Ah ça j'adore aussi, j'adore. Parce que donc du coup j'ai regardé un petit peu dans les vidéos que j'avais faites. À l'heure actuelle j'ai plus de 700 vidéos qui ont été postées sur la chaîne. Je ne compte pas les vidéos que j'ai postées sur Facebook. Je crois qu'on doit atteindre les 1000 vidéos. En 3 ans on doit arriver vers 1000 vidéos. Sur 1000 vidéos, j'ai dû faire 2 ou 3 vidéos coup de gueule à peu près, et idem 2 ou 3 vidéos où je vous montrais que ça n'allait pas bien. Mais à part ça, je me plains tout le temps. J'adore. Sur 1000 vidéos, il y en a, allez, on va être généreux, on va dire 10. 10 où je dis, oulala, je suis pas bien, oulala, j'ai un coup de gueule. Il y en a 10. 10 sur 1000 quand même. Donc ça veut dire qu'il y en a 990 où tout va bien, où je suis souriant. Et ben non, cette personne a juste relevé les 10 où visiblement, bah, j'ai un pet de travers. Bah, mais j'adore, ça aussi, j'adore. Ça prouve que la personne ne me connaît absolument pas. Hein, ou alors, je sais pas, qu'elle regarde pas les vidéos, qu'elle voit jamais mon sourire, j'en sais rien, qu'elle est mal lunée, que, je sais pas, on lui a volé son beefsteak, elle a une mauvaise nouvelle, une facture qui est arrivée, je sais rien quoi, peut-être qu'elle a pas les bonnes énergies d'Ostara, elle, que le changement n'est pas arrivé dans sa vie, apparemment non, mais non voilà, mais c'était surtout pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc si certains pensent la même chose, écoutez, partez de ma chaîne, foutez-moi la paix, pensez ce que vous voulez de moi, honnêtement, je m'en contrefous, vraiment, ça me passe au-dessus de la tête, vraiment, sincèrement, parce que, honnêtement, ce que j'ai... Attention, je vais me plaindre, attention, moment où je me plains. Dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, honnêtement, je ne souhaite pas le quart de ce que j'ai vécu, même à mon pire ennemi, ne serait-ce que mes fameuses crises intestinales, hein, ce que j'appelle les quarts d'heure shot, même ça, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, tellement c'est douloureux, je vous jure. Si je devais vous illustrer un quart d'heure shot, en gros, c'est comme si on vous rentrait la main par les fesses, qu'on triturait tout bien vos intestins et qu'on arrache tout par toujours les fesses. Voilà, ça vous donne un petit aperçu du niveau de douleur à peu près. Hein. Bah, pour les mamans qui ont eu des enfants, je pense que vous connaissez la douleur, puisque la dernière crise que j'avais faite, j'étais arrivé en direct et le médecin m'avait fait une échographie, et les contractions, il avait pu les mesurer, il m'avait dit les contractions que vous avez là correspondent aux contractions d'accouchement. D'accord, ok, super. Donc pour vous les mamans, je sais ce que c'est que d'avoir des enfants, parce que du coup, à raison de 1 voire 2 bons quarts d'heure shot par mois, multiplié par 12 mois, multiplié par 34 ans,
J'en ai eu des enfants. Non, j'en rigole, mais ça me fait pas rire. Non, mais tout ça pour vous dire que ce que j'ai vécu, je ne le souhaite absolument à personne. Donc, je n'autoriserai personne, en fait, de me juger, ni d'émettre quoi que ce soit comme jugement. On peut avoir une opinion sur quelqu'un, oui, on peut. Mais quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'a pas la vérité, quand on n'a pas aussi, quand on ne connaît pas la personne dans la vie réelle, bah on se tait tout simplement. Et j'ai même envie d'être un petit peu vulgaire, ça changerait de ce que je fais d'habitude, parce que là aussi je me retiens dans les mots. Mais j'ai envie de dire à ce type de personne, fermez vos gueules, tout simplement, vraiment. Pour le coup, je pense que vous rendrez service à pas mal de monde, parce que si dans la vie de tous les jours vous permettez de sortir des torchons et des vomis pareils, bah taisez-vous, parce que vous êtes le type de personne en fait qui tire les gens vers le bas. Voilà. Donc moi, je vous invite au contraire à vous élever vers le haut, hein, à essayer d'élever votre aura, à essayer d'élever votre conscience, à essayer de vous ouvrir au monde, de travailler sur cet aspect de jalousie, d'être envieux, etc., de ne pas supporter le bonheur des autres, hein. Vraiment, je vous invite à travailler sur ces points-là pour tout simplement pouvoir accueillir le bonheur aussi dans votre vie quand il se présente, hein, très concrètement. Maintenant, on va passer aux nouvelles d'Angèle, puisque cette personne, quand même, culottée, hein, culottée, elle commence le message en disant je voudrais avoir des nouvelles d'Angèle, et puis tout de suite derrière me pourrit quand même. Donc pour avoir des nouvelles d'Angèle, je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles dans la vidéo de dimanche soir pour les énergies de lundi, mais visiblement cette personne était trop impatiente. Là aussi, hein, j'ai envie de dire, regardez un petit peu Instagram et Facebook et l'onglet communauté de la chaîne, parce que les informations, je les donne. Donc à un moment donné, là aussi, ça commence à me courir sur le haricot assez sévère d'alimenter Instagram, d'alimenter Facebook, d'alimenter l'onglet communauté, et qu'on me pose 300 milliards de fois des questions dont les réponses ont déjà été données, postées ou publiées. Il y a un moment aussi où, bon, donc au moins cette personne me prouve qu'elle n'est pas abonnée ni à Instagram ni à Facebook, sinon des nouvelles d'Angèle, on aurait eu, hein, très concrètement. Voilà. Donc Angèle, je vous rassure, elle va très bien. J'ai eu donc la visite de contrôle mercredi à 15h15, 15h30. Et alors, Angèle a chopé, puisqu'on a eu les résultats du laboratoire. Je ne vous redirai pas le nom médical, parce que c'est un truc dont je ne me souviens absolument pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vétérinaire m'a dit que c'était un truc extrêmement rare qu'on voyait chez les chats. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, oui, d'accord, c'est extrêmement rare, oui, c'est normal, en même temps, c'est Angèle, c'est ma mimine. Pourquoi est-ce qu'elle aura eu un truc que tout le monde peut avoir? Non, bien évidemment, elle a eu un truc extrêmement rare, hein. Bon, alors l'avantage, c'est que certes, c'est un point négatif du fait que c'est quelque chose qui est effectivement assez rare chez les chats, enfin, très rare même, elle a bien insisté sur le très rare. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est pas un truc qui est agressif ni virulent. Donc en théorie, elle m'a laissé sous-entendre que pour les années à venir, ça ne devrait pas se développer dans les autres tétines, sachant que donc elle lui a enlevé toute la rangée de tétines, plus une autre sur l'autre côté, parce qu'en fait quand elle s'est mise à gratter, alors elle m'a expliqué, je sais pas quoi, le canal de la mort, c'est une veine, je ne saurais plus vous dire exactement, je ne suis pas vétérinaire. Et en fait, elle est passée à côté de ce canal, donc elle a dû contourner, et puis finalement elle a fini par enlever une autre tétine qui était à côté. Donc du coup Angel, elle en a plus que trois maintenant. Bah oui, trois, comme mon chiffre. Hein. Bah oui, il fallait bien qu'Angèle, elle fasse les choses jusqu'au bout, comme moi. Et donc le laboratoire a dit qu'effectivement, il valait mieux retirer toute la chaîne de tétine, que dans son cas, c'était mieux, parce que même si le truc n'était pas ultra virulent, ultra agressif, il était quand même préférable de tout retirer au cas où, parce qu'apparemment, c'est un truc qui agit comme le mycélium d'un champignon, c'est-à-dire que ça se propage comme ça aux tétines, ça forme une espèce de chaîne, enfin de toile, et ça se propage aux autres tétines. Donc du coup, il vaut mieux l'enlever, il vaut mieux tout enlever tout de suite, ça règle normalement le problème dans le temps. Voilà. Donc, du coup, elle lui a enlevé son pansement, mais elle a gardé le body. J'aimerais bien vous la montrer, Angèle, mais le problème, c'est que j'ose pas la prendre parce qu'elle est ouverte. Du coup, j'ai pu voir sa cicatrice. Et effectivement, elle est bien ouverte d'ici. Donc, elle a ses pattes-là. Elle est bien ouverte d'ici jusqu'au niveau de l'aine. Donc, ce qui fait qu'Angèle, j'ose pas la porter tant que... Alors, la cicatrice est jolie. C'est bien fermé, c'est bien propre, c'est tout nickel. Normalement, la semaine prochaine, donc j'y retourne mercredi à la même heure, pour retirer les points, puisque normalement c'est censé être bien cicatrisé à ce moment-là. Donc mercredi prochain, on enlève les points cette fois-ci. Mais voilà, donc du coup, je vous la montre pas pour le moment en vidéo, parce que ben, j'ose pas la soulever, puis vous savez bien, en plus avec mon bras qui donne pas l'heure, du coup, ben, j'ose pas la prendre de peur ben, de lui faire mal. Moi, j'ai tellement peur, je vais absolument pas la faire souffrir. Donc je vous la montrerai, ben, si mercredi,
une fois qu'elle a enlevé les points, et ben que effectivement ça va mieux, enfin que je peux la porter un peu plus comme il faut, je vous la montrerai, comme ça aussi vous pourrez voir et ben, tout ça, pour montrer aussi que tout ce que j'ai dit, ce n'est pas des mensonges, d'accord? Je n'ai joué avec les sentiments de personne, qu'on soit bien d'accord, et que j'ai profité du malheur de personne, là aussi, parce que vraiment ça m'a gonflé, je vous jure, ça m'a gonflé, hein. Et puis voilà, qu'est-ce que. Ben, je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit, les amis. On va en finir avec ce coup de gueule. Donc, juste pour vous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui penseraient la même chose, partez, vraiment partez, parce que je suis fatigué, j'en ai marre des gens comme ça. Vous n'apportez rien à la chaîne, donc partez, vraiment partez. Pire encore, vous risquez de pourrir avec vos énergies des personnes qui justement ne sont pas bien et avec qui je travaille pour leur monter le moral, leur apporter des conseils, etc. J'ai envie de dire, le nombre de commentaires de personnes qui me disent que mon sourire, rien que mon sourire, leur fait du bien, que juste de m'entendre leur fait du bien. J'ai même des abonnés qui m'ont dit qu'ils n'écoutaient pas les prédictions, c'était juste pour le plaisir de me voir et d'entendre la petite blague du jour. Le petit sourire, etc. Bah ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup, vraiment ça me touche beaucoup. Donc des commentaires comme ça à dire que je profite des gens, mais vous devriez avoir honte en fait de dire ça, mais honte sur vous, vraiment, vraiment, je vous assure, honte sur vous. Si les gens ont envie d'aider, ça ne vous regarde pas, d'une part, et puis vous n'avez pas de jugement à émettre, et puis mêlez-vous de vos fesses, tout simplement, quoi. Si vous êtes jaloux des personnes comme moi, ou d'autres youtubeurs, ou d'autres personnes, bah faites comme nous, faites pareil, sortez-vous les doigts du fion, mettez-vous à travailler, donnez tout votre temps, consacrez quasiment toute votre vie pour ça, et puis peut-être que vous aussi vous serez récompensé, hein, parce que c'est facile de juger, c'est facile de critiquer, mais quand on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière, bah on se tait, hein, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est vrai. Donc au lieu d'être jaloux et de baver, faites comme nous, faites pareil, faites même mieux, comme ça vous bénéficierez peut-être aussi des mêmes avantages ou même plus. Et franchement, je vous le souhaite, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, sincèrement, d'une chaîne qui a 100 000 abonnés, qui a 1 million d'abonnés. Vous vous rendez compte? Imaginez juste 2 minutes une chaîne qui aurait 1 million d'abonnés. Vous imaginez si il fait une vidéo et qui demande juste 50 centimes à ses abonnés, vous multipliez 50 centimes par 1 million d'abonnés. Vous voulez savoir combien ça fait? Est-ce que vous voulez savoir, hein? Allez, on va s'amuser, on va calculer. Donc 50 centimes fois 1 million, ça fait 500 000 euros. Voilà. Une chaîne qui a 1 million d'abonnés qui demanderait que 50 centimes, il va récolter 500 000 euros. C'est-à-dire qu'il finit sa cagnotte, il peut s'acheter une maison cash juste avec 50 centimes de ses abonnés. Vous imaginez? Eh bien, si cette personne, elle s'est acheté une maison cash parce que ses abonnés, ils avaient envie de lui faire plaisir, ils ont voulu participer. Mais c'est son problème. Et puis c'est le problème des abonnés. Personne ne met un couteau sous la gorge en disant, t'as intérêt à me donner 50 centimes, hein, parce que je te jure, je vais te lancer un mauvais sort, je vais t'envoyer des démons. Non mais, oh, arrêtez, hein. Faut arrêter le délire, hein, très concrètement. Hein. J'ai forcé personne. Si on n'avait pas envie de donner, on ne donnait pas. Surtout que dans ma vidéo, j'ai bien précisé que je voulais surtout des prières, des bougies, une pensée pour Angèle le 17 mars. C'est ce que j'ai demandé avant tout. Donc à un moment, il faudrait arrêter là aussi. Si les gens, ils ont eu envie de donner de l'argent, c'est parce qu'ils avaient envie de donner de l'argent. Point. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens, ils m'ont écrit en privé en disant, mon Jojo, j'ai pas les moyens, par contre, je vais allumer une bougie, et qui m'ont le jour J envoyé une photo avec une bougie, le nom d'Angèle, etc. Et ben ça m'a autant touché, voire plus, que de recevoir 5 ou 10 euros. Alors attention, je dis pas que les dons, ça m'a pas touché, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas dit ça. Mais pour dire que chacun, s'il a donné, c'est qu'il avait envie de donner, point. Et pour ceux qui n'avaient pas envie de donner ou qui ne pouvaient pas donner, qui ont allumé une bougie, et ben c'était pareil, parce que ça, c'est un don aussi. Ne serait-ce que juste un commentaire en me disant, mon Jojo, je suis tout cœur avec toi, j'aurais une pensée pour Angèle. Juste ça m'a fait plaisir, d'accord? Donc, si les gens, ils ont envie de donner, les gens donnent, point. Et personne n'a à émettre quoi que ce soit, personne n'a à dire quoi que ce soit. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, pour les personnes qui sont aussi nocives, qui sont aussi négatives, franchement, fichez le camp, sincèrement. Fichez le camp, je vous jure, parce que là je suis gentil dans ma vidéo. Si, je vous assure que je suis gentil. Là je suis gentil dans ma vidéo. Je vous promets que le prochain commentaire que je verrai comme ça, je ne m'embête même pas. La personne, je la signale, je bloque son compte et point barre. Ça sera réglé comme ça. Je ne perdrai même pas du temps à répondre. Vous vous rendez compte que cette personne, j'ai été bête parce que j'ai répondu en fait. Et puis je me suis dit, mais t'es bête, mais pourquoi tu réponds à cette personne? C'est exactement ce qu'elle veut justement. Ne réponds pas. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle avait
avait retiré son commentaire, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, tu vois, elle est même pas courageuse, elle porte même pas ses coronesses, elle efface son truc, elle est même pas capable d'assumer jusqu'au bout. Donc voilà, hein, ça veut tout dire. Donc bon, allez, j'arrête de vous embêter avec cette vidéo. Ça fait quand même 34 minutes. Après, je vais encore recevoir des commentaires en disant, ah, Jojo, tu te plains et tout. Voilà, tiens, j'ai tiré la langue, j'aurais pu faire autre chose avec mes doigts, vous savez, là, celui du milieu. Mais je ne l'ai pas fait parce que je reste quand même correct et poli. Hein. Mais il y a des fois quand même, les coronesses, on les a là, hein, des fois. Hein. Et puis il y a des fois, elles gonflent comme des pastèques, hein, je vous promets, hein, mes amis. Allez, bon, après ce coup de gueule, je vais vous laisser. Je vous embrasse quand même tous très fort. Il suffit que je poste cette vidéo, je vais me réveiller demain, j'aurai perdu la moitié des abonnés. Eh ben tant pis, eh ben j'ai envie de dire je m'en fous. Si la chaîne demain elle se retrouvait avec 3000 abonnés, eh ben je m'en tape. Je m'en tape complètement. Pourquoi? Parce que au moins, eh ben ça m'aura viré, ça m'aura filtré tous ceux dont je n'ai pas besoin dans ma vie. Donc finalement, ça sera même. Vous me rendrez même service en fait. Non mais en vrai, pour ceux qui veulent rester, restez quand même. Non mais voilà, pour dire que ceux qui veulent quitter ma vie, mais quittez-la, au contraire, vous me rendrez service, ça évitera que je fasse du tri plus tard, que je me dise attends, cette personne elle tient la route, elle tient pas la route. Non, vous partez comme ça. Comme ça, au moins, le tri, il est fait naturellement. Hein. Et puis, voilà. Allez, sur ce, donc, je vous embrasse. Mea culpa, quand même. Hein. J'aime pas m'énerver comme ça en vidéo, mais il y a un moment donné où il faut savoir aussi remettre les choses en place. Et ça faisait longtemps, quand même, que j'avais pas fait un petit coup de gueule. Si, 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 je vous assure. Là, je réponds pour la personne qui m'a dit que je faisais que me plaindre. J'ai vérifié. Hein, le dernier coup de gueule que j'ai fait, il date d'il y a un bon petit moment, quand même. Hein. Donc, la preuve que je ne me plains pas si souvent que ça. Et c'est bien de remettre un petit peu des fois les choses en place hein, pour voilà, histoire de faire des petites piqûres de rappel. Allez sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime quand même tous très fort, hein, vous le savez. Enfin, pour ceux qui tiennent la route. Non, en fait, maintenant, ce sera plus pour tout le monde, ce sera uniquement pour ceux qui tiennent la route, qu'ils le valent, qu'ils le rendent bien, qu'ils le méritent, qu'ils sont méritants devant hein, les guides, les gardiens, le cosmos, l'univers, etc. Ceux qui peuvent se regarder devant un miroir avec la conscience tranquille. Pour cela, oui, je vous aime et oui, je vous embrasse. Et pour les autres, allez vous faire cuire un œuf. Puis alors bien dur, allez vous faire cuire un œuf, alors bien, 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 bien dur. Et mieux encore, vous le collez dans les...